Salut les garçons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un weekly vlog. J'allais dire pas comme les autres, mais en fait, non. Vous êtes habitués à ce genre de vlog sur ma chaîne. Et ce sera pour mon premier solo trip. Mon premier solo trip, les gars. L'épisode 4. Non, l'épisode. L'épisode. Non, c'est. L'épisode 4 de l'Americation. On part à. Vous voyez où on part ou pas? C'est écrit. On part à New York City, les gars. Première fois que je vais faire un solo trip. Première fois que je vais voyager tout seul. C'est un peu chaud. En parlant de coque de téléphone, parce que cette coque, c'est clairement la coque que je vais ramener partout à New York, du coup. Le sponsor du jour, c'est Castify. Je vous avais déjà parlé de Castify. J'espère que vous n'avez pas oublié, parce que c'est la base. Clairement, c'est la base. Donc, Castify, c'est un site internet où vous pouvez y retrouver plein d'accessoires tech, que ce soit du coup des coques pour téléphone, des coques pour MacBook, donc il y a tous les modèles de Mac. Hein. Moi j'ai pris le Mac, je sais pas c'est quel Mac que j'ai, je crois c'est 2017, je crois que j'ai. Trop joli. Petite coque pour iPod, comme ça regardez-moi cette pépite. Carrément elle est personnalisée avec mon prénom. Elle est pas trop belle. Bien argentée comme ça. C'est qui ces disques quand ils sont deux? Peut-être peut divorcer. J'ai également pris ma fameuse coque personnalisée. Elle est trop belle. Regardez l'imprimé, comment il est trop joli. Ça fait trop penser en vacances. J'aime trop. J'avais dit que j'allais la prendre, je l'ai prise. La qualité des produits de chez Castify, elle est vraiment top. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'aime trop, que ce soit la coque pour AirPods, la coque pour mon téléphone ou encore les coques de téléphone. Il n'y a aucun risque que vos téléphones ou que vos accessoires se cassent avec les coques de chez Castify. Vraiment. J'ai aussi réussi ça, je vous en parle tout le temps. Ça va faire partie de mes accessoires fav en vacances. Lors de cette vidéo, je vais un peu vous faire montrer mes accessoires fav que je ramène quand je voyage, mon organisation de vacances ou quoi. Les sangles, les filles, les garçons, je vous en reparle, c'est top. Donc, Castify, ils font aussi des sangles comme ceci. Donc, il y a ce petit truc-là qui vient avec. Tu viens juste accrocher ton téléphone dessus et c'est fait. Et franchement, les sangles, je vous le répète, c'est la base. Ce qui est bien avec les sangles, c'est que là, par exemple, là, j'ai mis une robe toute simple, noire, basique. Tu peux les assembler avec tout. Donc là, il y a rose, mais vous avez des coques, des sangles noires. Si tu veux un truc plus basique, moi, le rose, c'est ma couleur préférée. Donc, t'as capté. Voilà, j'ai mis ça comme ça, avec cette petite sangle. Et ce qui est bien, la sangle, tu peux l'ajuster, l'agrandir comme ceci, si tu fais 2 mètres. Voilà. Mais sinon, tu peux très bien plus... la mettre à ta hauteur. Moi j'aime bien faire comme ça et la mettre du coup comme ça, comme un petit sac à main. J'aime trop, c'est trop pratique. Et en plus de ça, on peut tirer, ça ne partira pas. Il y a plein d'accessoires, de téléphones, de iPad. Prochainement je prends comme mon iPad. De iPad, de MacBook, de AirPods. Il y a vraiment plein de modèles. Il n'y a pas que des iPhones. Ah, même si nous on est team Apple. Je vous mets les liens en barre d'informations et grâce à ce lien, vous pouvez retrouver mes coques et également tous les modèles sur le site. En cliquant sur le lien en barre d'informations, vous avez moins 15% sur votre commande, donc n'hésitez pas. Hâte, j'ai vraiment hâte de ce voyage. Ouais, oui, j'ai vraiment hâte de ce voyage. J'ai un peu peur parce que bah, c'est la première fois que je voyageais seule en fait. C'est vraiment la première fois que je voyageais seule. J'ai déjà fait New York. J'ai déjà fait New York en 2014. J'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et j'ai la grâce. Tout ça à cause de Dieu, vraiment. J'ai la grâce de partir à New York 9 ans après avec mes propres moyens. C'est pas papa qui me paye mes voyages. C'est mon papa qui m'avait payé nos premiers voyages à New York. Et là, j'ai l'occasion de partir seule en fait. Seule avec mon argent, etc. Et c'est trop cool. Et je remercie le bon Dieu. Vraiment, je remercie le bon Dieu pour cette grâce, parce que c'est une grâce, encore une fois. Je répète, ceux et ceux qui ne croient pas en Dieu, voilà, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment une grâce et j'ai trop hâte que vous me suivez dans cette aventure avec moi. Du coup, c'est le 4e épisode de l'Americation et le dernier. On finit avec une belle destination, je trouve, New York. C'est une très belle destination. Et puis voilà, alors je vous parle, je serai déjà à New York. Je serai déjà à New York. Et voilà, en tout cas, on va se préparer ensemble. Bon, j'ai déjà mes ongles, je dois aller faire poser ma pépé, faire mes cils, faire ma valise. Je cherche une personne pour me faire un soin du visage en profondeur, ce serait cool ça. Et puis voilà quoi.
Let's go! Une semaine avec moi pour préparer mon solo trip à New York. Let's go! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans ce vlog préparation. Je sais pas, chaque fois que je reprends un rush, chaque jour, je vous dis demain à chaque fois comment vous allez. Comment vous allez? Genre, vous en avez pas marre? En plus, vous ne me répondez même pas. Quand je vous pose la question, il faut répondre. Je m'inquiète pour vous, vous ne me répondez même pas. Aujourd'hui, du coup, on est lundi. Il se passera aujourd'hui. J'ai juste reçu quelques colis. Je dois recevoir mon colis Shein. But I don't know où il est. Ils m'ont dit en cours de livraison, donc j'attends. Il est presque 15h. Ouais. Pause. Nous devons parler de la livraison de Pelletée Fromondée, ce colis le 6 août. Le 6 août. On est le 21. Non, on est le 21. J'ai commandé le 6 août, on est le 21. C'est pas une dinguerie. Il y a un colis que j'ai commandé le 31 juillet, je ne l'ai jamais reçu. Alors d'aujourd'hui, je pense que colis privé ont perdu. Alors colis privé, tu leur demandes où est ton colis, ils ne savent pas où est ton colis. C'est une dinguerie. C'est vraiment la livraison, c'est vraiment une dinguerie. Bon, Amazon respecte toujours les livraisons par la cause de Dieu. J'ai pris des batteries. Pourquoi c'est ouvert par contre? Why is it open? J'ai commandé des batteries pour mon Canon parce qu'il y a une batterie qui m'a lâché. Je ne sais pas pour mon Canon, pour mon Sony. Il y a une batterie qui m'a lâché. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut plus fonctionner. Bon, moi, quand je reprends des batteries, par contre, la lumière, faut éclairer en fait. Moi, quand je achète des batteries, je ne sais pas la marque. Hein. Je pense que c'est la même chose. I think it's the same. Ouais, c'est la même chose. C'est la Sony qui m'a lâché, qui ne fonctionne plus. Alors que ça fait même pas 3 mois que j'ai mon appareil photo. Je comprends pas. Par contre, non, la lumière, c'est ça aussi, j'aime pas avec Sony. Quand un lieu il est sombre, il sait pas s'adapter. Genre, il sait pas s'adapter à la lumière. C'est trop bizarre. Des batteries comme ça. Comme ça, moi j'aurai 3 batteries pour bloguer. Il faut plusieurs batteries parce que la batterie ça se finit très très vite. Donc ça, c'est cool. Allez, on va mettre ça ici. Ensuite. On passe au colis PLT. J'ai pris deux trucs. Genre, j'ai pris des pantalons. Genre, pantalons comme ça. Costa. J'en ai pris deux. Bon, les deux se ressemblent. On va commencer par celui-là. Là, je crois que c'est le 42. Parce que la dernière fois, j'ai pris 44. En fait, c'est trop trop bon. 44, faut pas abuser non plus. Ok. J'ai m'a l'air bien long. La couleur m'a l'air bien. Oh! J'ai bien fait de prendre 42. 40 ça aurait été trop. Par contre, il était haut de fou, wesh. Il est beau. Pelleté, ok, tu m'as fait attendre. Hein? But, Arvena. Ouh! Le boule qu'il fait. Aïe, est-ce que vous voyez ce qu'il me fait? Ok, d'accord. Bon, j'ai attendu. Mais pas pour rien. Par contre, je le trouve trop taille haute. Taille haute, genre, ouais, mais il est bien beau, il est bien long. Ça, j'aime bien la couleur aussi. J'aime bien. Bon, j'ai pas attendu pour rien, ok. Merci, mais faut pas faire ça en fait. Faut pas faire attendre les gens de 3 semaines, ce qui est 2 semaines. Mais le oula, mais le pantalon est très beau. Ah, il fait très très bien. Ça, avec un petit, par contre, j'aime bien qu'ils soient moins longs et très très bien. Vraiment super bien, franchement. Ouais, il fait une taille, même mood. Ça aussi m'a l'air pas mal du tout, sauf qu'ici t'as des petits trucs comme ça. Ok, pété. Si celui-là il me va très bien, je te pardonne. Et 42, c'est pile poil. Hein. Ah, ouais, celui aussi. Ah, ouais, ouh. Je te pardonne. Même si voilà, je te pardonne. Ouh. Alors celui-là, j'aime bien. Parce que déjà, il est moins taille haute que l'autre. Je sais pas si vous pouvez voir. J'aime bien. Il y a l'ensemble avec. Il y a le haut. Il y a le. Je crois que c'est un sorte de. Comme ça. Corset avec. Il va avec. Moi, j'ai pris que le bas du coup. J'aime beaucoup. Bon, franchement, 42. J'ai bien fait de prendre 4€ parce que j'aime bien les pantalons qui me servent au niveau des fesses et les cuisses. Et en bas, c'est bien évasé. J'aime beaucoup. J'aime bien, c'est validé. Pour une fois que je commande PLT et qu'il n'y a pas de problème,
On est même choqués là. On est carrément choqués. Donc c'est aussi avec une paire de baskets, avec un petit top, petite lunette, dans les rues de New York. Est-ce que vous sentez un peu la vibe? Il faut vraiment que je vous fasse montrer plus mon style vestimentaire. Parce que c'est vrai que je ne fais pas assez montrer mon style vestimentaire. Alors que la go, c'est se saper. Même si c'est Shein et pelleté, elle sait se saper en fait. Clairement. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Là vraiment je suis dans un mood où les trucs courts, bon les crop tops j'ai toujours un peu, mais tout ce qui est jupe courte, robe courte, je ne supporte plus. Je suis dans mon era long là. Je suis toujours TSTV, on reste toujours TSTV, mais dans mon era un peu longue chose. Bref, là j'attends mon colis Shein. S'il arrive, on fait le haul. Sinon, where is my colis? Ils m'ont dit. Je devrais recevoir les colis. Bon. Colis privé là. Allez. On s'attrape tout à l'heure si je reçois mon colis Shein. Dans le cas contraire, demain. Demain. Tu filmes là? Ouais, je suis bloquée en fait. Ça va. Oh, on continue les festivités, les gars. Aujourd'hui, on est mardi. Là, j'allais faire ma séance de lipocavitation et de madothérapie parce que. Voilà. Les bourrelets du dos, je n'en peux plus. Mais il faut que je sois régulière parce qu'à chaque fois. C'est même pas en plus comme si je payais. Je payais pas puisque c'est en partenariat. Mais à chaque fois, je. Je crois que c'est la flemme du trajet, mais en fait, il faut que j'y aille. J'ai un petit parfum de glitter. C'est le Wonder Rose de chez Zara. Il est pas mal aussi. Bref, sinon, j'ai reçu mon colis Shein. Je suis contente. Parce que ouais, en fait, j'espère que mon colis ne vienne pas. Mais il est là. Il est là. Bon, je vais essayer les articles. Les articles, vous allez les voir porter dans le vlog. Dans l'américaine qui va suivre. Donc on va faire ça. Celle-ci, c'est ce que c'est le pantalon. Je sais pas si vous avez vu mes vlogs au Mexique. J'avais ce pantalon orange. Bon, il s'était craqué au plein milieu des fesses, mais j'ai quand même pris le risque de le reprendre parce qu'il taille super bien. Et là, du coup, je l'ai pris en beige comme ceci. Je vais pas l'essayer. Je sais que c'est comment il taille très très bien. J'aime trop la couleur. Très belle. Qui m'envoie des messages là par contre? Oui. Une robe verte parce que je me suis dit bah Zanior, je vais pas sortir tous les soirs, mais deux soirs je vais sortir. Donc j'ai pris cette femme, c'est normal, j'ai pris quelle taille ça? Je sais pas, j'ai pris du L. C'est les fameuses roches, c'est les fameuses robes là. Je suis sûre que vous avez partout. Donc petit col montant comme ça ici avec, vous savez, le fil qui pend là. Et voilà, bon, celle-ci m'a l'air un peu courte. J'avais dit j'arrêtais avec le court, mais comme elle est satin et qu'elle est pas près du corps, ça passe, tu vois. Après, elle est bien donnure. Ok, bon. Avoir porté. Avoir porté, en fait. Ça, c'est quoi? Ah, j'ai commandé les petites boucles d'oreilles. Les fameux dupes de chez Bottega Veneta. Franchement, il faut avoir le TikTok anglophone. Comment avoir le temps de débarrasser? Bah, débarrasse. Il faut avoir le TikTok anglophone pour avoir les dernières tendances. Parce que si tu as le TikTok français... Je trouve qu'il n'y a pas. Donc, c'est des petits boucles comme ceci. C'est les dupes de chez Bottega Veneta, là. Tout le monde les met, là. J'ai à des centimes, je crois. Elles sont jolies. Je les ai préférées peut-être plus grosses. Je pense que je vais les commander en plus grosses. Mais elles sont belles. Très jolies. Ok. C'est là, là. C'est quoi, ça? Ah, ok. La fameuse robe aussi. Attends. Là, la qualité elle a l'air bien. La fameuse robe aussi qu'on voit avec les initiales. Je vais faire tous les allers-retours. La fameuse robe qu'on voit partout sur Insta, sur TikTok. La robe blanche comme ça. Franchement, j'aime bien parce qu'elle est doublée. Donc, ça, c'est cool. C'est pas transparent parce que j'ai vu certaines marques là-bas, mais elle est transparente. On n'est pas moins de montrer ses fesses ici en fait. Donc, pas du tout. Mais j'aime bien, en plus, elle est longue. I like it. Avoir porté. Elle m'a l'air bien straight, donc je pense que ça va rentrer. J'aime bien. C'est une jupe longue. Comme ça, blanche. Elle est belle. Je dis là, je suis dans mon era long. Je suis toujours TSTV parce que voilà, faut garder l'essence, mais je suis dans mon era long. Donc je vois cette robe petite taille basse comme ça. Avec un petit top blanc.
dans les rues de New York. T'as capté, la qualité elle est bien par contre. Franchement la qualité elle est bien lourde. J'aime beaucoup, c'est pas léger du tout. Ben, c'est un plagiat de la robe. Alors quoi? Merci. Ensuite j'ai pris ça. Ça c'est un ensemble. À part que je me suis trompée avec la chemise. C'est très léger. Ok, c'est un ensemble. Donc t'as le short comme ceci, bleu. Avec du coup la chemise bleu. À rayures comme ça. Ça je vois bien, c'est avec un petit top blanc comme ça. Petite paire de lunettes, petite sandale au pied. Ça passe crème. J'aime beaucoup. Hop, ouh, on m'a l'air tout ça. Aïe. Aïe. J'ai pris une robe comme ça. Ça, c'est vraiment une robe qu'on voit partout sur les réseaux avec des salas qui tombent là. Du coup, j'ai pris en noir parce que j'aime bien le noir classe. Mais je l'ai pris en M. Est-ce que j'ai tapé de la prendre en M? À voir. C'est ma taille. Si j'arrive pas à la mettre à New York, je la mettrai à Dubaï parce qu'elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Ok, what else? Ça c'est un short. Il me paraît big. Hein. C'est pas un short long en jean. Bon, je pense que ça va aller. Ouais, il va bien m'aller large. J'aime beaucoup. Un petit short en jean comme ça. Voilà, bleu. Simple. Long. Parce que les shorts courts, j'ai vraiment du mal. Voilà, moitié de tes fesses, là, j'aime pas du tout. Mais là, c'est long, avec un petit top blanc. Ça passera crème. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, ce que je vois, là, Shein. C'est quoi? Ah, c'est un ensemble, ok. J'ai pris un ensemble, oui. J'ai dit que je quittais la team court. Mais parfois, voilà, j'aime bien. Du coup, j'ai pris cette petite jupe. Mais tu vois, ça, c'est une petite jupe comme ça, blanche. Avec son petit top comme ça. Mais je vois ça en fait avec une grosse chemise bleue. Je crois que j'ai commandé la chemise. Une grosse chemise ou une chemise que j'ai voulu à mon père. Une grosse chemise bleue ou rose au-dessus. Pour casser vraiment ce côté court. Tu vois, vraiment oversize. De toute façon vous allez voir les looks que je vais faire. Mais j'aime bien la qualité aussi, elle est top hein. Franchement bien. Bien stretch, bien épais, j'aime beaucoup. Ça c'est quoi? Ok. Un petit top blanc. Tout simple. Ça sera moins les basiques quoi. Avec un petit jean, ça passe quoi. Ah oui. J'ai pris un tote bag. J'ai pris un tote bag pour mettre les gros trucs dedans. Comme je sais que je serai seule et qu'il me faut les tripter ou quoi. Du coup, je me suis dit si je me prends un petit... Il est petit quand même. Hein. Si je prends un tote bag où je mettrai bah, tout ce qui est caméra, tout. Ça passe plus crème quoi. Tu vois, que ramener un gros sac là. Okay. J'ai pris ça. C'est un corset. Un corset en jean. Il est très joli par contre. Mais ce qui me manque. Après, j'ai vu que derrière c'est stretch. Donc ça devrait passer. Ça devrait passer. Du coup, un petit corset comme ça en jean, c'est très, très à la mode. Ça, je vois bien. C'est avec un bon jean. Bien large, une belle petite paire de baskets ou même une jupe en jean, ça passe aussi. J'ai pris ça. Ah, ça, j'en avais trop besoin. Pour me maquiller. Faut savoir que maintenant, je suis dans la technique de Lady Nella là. Où elle met son concealer avec ça. Donc, du coup, j'en ai pris plein. T'en as, je crois, 30 pour 2€. Des petits pochons comme ça là. Donc, top. Ça, il m'en fallait absolument. Okay. J'ai pris ça, c'est quoi? J'ai pris un petit top, celui-là je l'avais déjà mais je l'ai repris parce que je l'ai perdu. Donc ça c'est les tops vraiment imitation dupe de skin là, qui sont bien près du corps. J'aime beaucoup cette matière, je trouve que cette matière elle est vraiment top. Je vais prendre quelle taille, je vais prendre taille M, ça va aller. Cette matière elle est vraiment top, ça avec un jean, avec une jupe, avec un short. Tu mets tout avec. Ok, je sais même pas j'avais pris. Un petit top blanc comme ça. Comme ça. Comme ça, tout simple. Franchement, les petits tops blancs en été, t'en as jamais assez. Grave New York. Vraiment, je trouve qu'il fait grave New York avec un bon jean. Je sais pas si vous sentez la vibe avec un bon jean. J'aime énormément. Bon petit jean. Ouais, bon petit jean. Belle petite paire de lunettes. J'aime trop. Bon, c'était tout pour ce petit haul.
Là, on va aller refaire mon ongle, mais je vais refaire que celui-là parce que je sais pas si vous pouvez voir. Mais il est cassé en fait. Je l'ai cassé. Tous les autres sont encore bien durs, mais celui-là, il est cassé. Donc je vais aller juste refaire celui-là. Histoire 2. J'ai mis un t-shirt long. Parce que vas-y. Mais. Ah, j'avais 15 euros. L'essence. Eh, cette voiture, elle consomme. Jamais ça de ma vie, en fait. Mettre l'essence. Let's go. Là, normalement, je dois aller poser ma wig au vendredi. Je dois recevoir ma wig. Je sais même pas si je vais la recevoir à temps. Les gars, toujours dans l'orage. Toujours dans... Par contre, la lumière, si tu pouvais bien, ce serait cool, ouais. Je suis toujours dans le rush. C'est trop... C'est genre... Bon, désolé si vous bougez, là, parce que là, si vous voyez comment je vous ai posé. Dans ma science, du coup, de l'hypocavitation et madérothérapie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. De base, j'avais déjà fait cette séance. C'est pour vraiment en fait sculpter plus le corps, vraiment affiner le dos, affiner le ventre, mais il faut faire plusieurs séances. Donc moi, intelligente que je suis, que la séance de madothérapie, il faut vraiment la faire souvent en fait. Pour vraiment voir les résultats. Et moi, voilà, j'y allais pas tout le temps. Bah, je suis allée qu'une. Bah, la dernière fois que je suis allée, après je suis plus partie. Alors que bah, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut aller souvent. Donc du coup, voilà, là je vais aller faire ça. C'est des choses qui marchent, mais il faut vraiment être régulière en fait. Si t'es pas régulière, ça ne sert à rien. Sinon, vendredi, normalement, je suis censée me coiffer parce que du coup, je pars samedi. On va aller les samedis. Mais le problème, c'est que les gars, je sais même pas si je vais recevoir ma perruque. Je me suis pris trop en retard. J'ai grave la rage. Au lieu de me prendre genre 2 semaines avant, je me prends 1 semaine avant. Et bah, les mèches qui viennent de Chine, parfois ça vient très vite et parfois non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'espère vraiment que ça va arriver genre vendredi, parce que la fille qui doit me coiffer, bah, elle doit me coiffer que vendredi, quoi, logiquement, puisque bah, samedi, je pars. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai un peu la rage. Ça, toi, ça va me couler les fesses, papa? J'ai un peu la rage, parce que sinon, je sais pas comment je vais... J'ai pas envie de faire des nattes ou quoi, hein. Franchement, j'ai la flemme. Et je sais pas comment je vais être à New York si j'ai pas ma nouvelle bébé. Bon, j'ai des perruques. Mais tu vois, c'est normal, quand tu voyages, t'as envie d'être fraîche. Avec un tout nouveau, toute nouvelle pépé, etc. Quoi que peut-être je prends une ancienne pépé, elle va me la recustomiser ou quoi. Je verrai comment je vais faire ça. Je verrai comment je vais faire. Ah, j'ai mis l'essence, on dirait, j'ai rien mis, il faut que je remette encore. Stomach does a pain. You walk in my direction, I go the other up way. I start to stutter with the speed. You understand that my knees go weak. What's happening to me? In the dark, can you tell me what it means? I lay my head on my pillow, staring out the window. Trying to star for a sign. En fait, là, je vous explique, c'est la catastrophe. En regardant les rushs, j'ai vu que j'ai filmé tout au ralenti. J'ai tellement le seum, mais bon, bref, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Je vous fais une voix off. Là, du coup, je sortais de ma séance de l'hypocavitation qui s'est très très bien passée. Je mets tous les coordonnées en barre d'information et je me dirigeais vers le centre commercial au Paris Nord pour pouvoir faire du shopping. Si vous savez, les petits trucs de voyage, quoi. Logique. Les petits bigoudis là, les petits savons, les crèmes, etc. au Paris Nord. Et puis voilà. Parce qu'ils font des pépites ces derniers temps. Regardez cette robe. Elle est trop trop belle. Je trouve vraiment des pépites. Des pépites Bershka. J'ai trop de cargo. Ça aussi j'avais bien aimé. Mais après bon, j'ai plein de robes comme ça aussi. La vérité. Mais en beige comme ça, super de basket. Mais pas ça. Je vais prendre celle-là. Je me dis, j'en ai une similaire PLT, mais il n'y a pas de manche. Et celle-ci, bah, il y a des manches. Je crois que c'est qu'une paire de baskets, ça passe crème.
J'aime bien Uber Kaki, mais j'aime pas. Je préfère les nudes comme ça. Je sais pas. Didn't know that love could change, yeah. And I woke up to a stranger. After all this time, I thought that I knew. But when I was motivated, I wish up for conversation. Tell me, was it all a lie? I'm confused. But then you say what I wanna hear, cause you know it's gonna get me here. Every time I say that I'm. Nous sommes le lendemain matin. Là, je vous expliquais que je partais juste aller refaire mon ongle là qui était cassé. Et en fait, là, j'étais à la poste parce que j'ai déposé ma mère à la poste. Ensuite, on est parti faire notre manicure ensemble. Donc, je suis partie juste faire ça à Creil. Il y a une meuf qui fait ça ici. J'ai juste fait ça. Et puis voilà, après le reste, je sais même plus ce que je disais. Je pars trop aussi. Voilà, du coup, mon ongle a été réparé. On voit quand même un peu la différence, on va pas se mentir. On voit que c'est pas la même personne qui a fait les lignes qu'elle m'a fait. Ça, j'aime pas faire mes ongles à créer parce que la ligne n'est pas parfaite. But that's okay. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe. Ça passe. Du coup, là, je vous ai montré comment ma petite soeur de 16 ans, Unicia, coiffe. Elle coiffe trop, trop bien. Là, je me suis permis de filmer parce que c'est sa copine, je la connais. Du coup, voilà. Donc, du coup, là, il est en train de coiffer sa copine. Et là, après, je vous disais encore une fois que j'étais trop KO, que j'étais trop fatiguée. Voilà, KO. Tout en KO, 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 KO. Il y a un jour, je suis pas KO. En plus, c'est bien s'il n'y a pas de son parce que j'étais trop mâchée comme une grosse vache. Regardez. Et heureusement même. Là, je vous faisais le haul des choses que j'ai acheté hier. Bah, du coup, normal, j'ai acheté du dentifrice, j'ai acheté de crème épilatoire, j'ai acheté une crème. J'aime bien les crèmes en peau quand je voyais ça, c'est trop trop bien. Je préfère privilégier ça que les tubes. Je crois que je sentais, ça sentait bah, la crème, comme de plus. J'ai acheté un démaquillant. De base, j'achète pas celui-là, j'achète le biphasé. C'est ça que je vous disais, là, je me rappelle. J'ai acheté le biphasé, mais le biphasé, il n'y avait plus. J'ai pas compris, donc du coup j'ai pris celui-là, bon, il démaquille aussi très très bien, ça va, ça fait le taf. J'ai pris un mini Gotsubi pour recoller un peu mes wigs, enfin recoller ma wig quand je voyageais, ça le petit format c'est top. Bon j'aime plus trop coller mes wigs avec la Gotsubi parce que je trouve que ça fait plus le taf. Vraiment la meilleure chose c'est Ebin, Ebin, Ebin. Ensuite j'ai acheté ce petit déodorant Rexona parce que c'est très important les filles, déodorant. Petit gant exfoliant, très important également pour se gratter le corps, pardon, c'est la base. Vraiment, c'est la base. Négligez pas. La France de Molière, j'arrive pas à parler. Ensuite, chez Bershka, j'ai pris ce petit short qui va me servir soit en tant que pyjama, soit pour glander. Voilà. Et j'ai pris la fameuse robe que, voilà, que j'ai pris et qu'elle est cool. Franchement, elle va très très bien. Je l'ai portée déjà ici. Je suis déjà à New York quand je vous parle là. Je l'ai portée, elle est très très bien. Ça fait vraiment le taf. Ensuite, chez Pull&Bear, j'ai pris cette petite robe que je vais porter à Dubaï. Je ne vais pas la porter ici à New York. Elle est trop, trop belle. Je vous avais dit, j'ai quitté le FC court, bien longue, trop, trop belle. Je l'ai essayé, mais je ne l'ai pas essayé là. Franchement, je suis une mauvaise youtubeuse. Je suis désolée. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Ensuite, je suis passée chez... Oula, je suis passée chez NYX et j'ai pris ce fond de teint-là, le blur. J'ai vu que Yanissa l'avait testé et il était pas mal. Et je l'ai... j'ai ouvert la porte comme ça, pourquoi? Et je l'ai utilisé là, mon premier jour à New York et franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout, du tout. J'ai grave kiffé, vraiment. Et là, ce blush, alors allez me prendre ce blush. Pour all my black girls, allez me prendre cette blush, ce blush, pardon, en teinte fuchsia. Je l'ai utilisé ici. C'est bien aussi que je fasse un voix off comme ça, en fait, je suis dans le futur. J'ai utilisé ici, et le rose là, mais trop trop beau. Mais vraiment trop trop beau. Allez me le prendre, la teinte fuchsia stick blush, vous allez grave kiffer. Ensuite, j'ai reçu ma perruque, la fameuse perruque, parce que Meredith Omolibaras est bête et ne sait pas. Ah non, c'est pas ma perruque, je suis folle ou quoi? Là, j'ai commandé un trépied. Parce que qui dit voyage seul, je dois prendre mes photos seule. Et en fait, j'ai dead. Allez, déjà sur mon Instagram, j'ai déjà posté une photo parce que je suis dans le futur, j'ai dit. Et en fait, ce trépied, pépite. La vérité, pépite. Il est tout petit comme ça et vous allez voir à quel point il est extensible. Genre, je vous mets le lien en barre d'infos. Trop bien, vous avez vu, vous pouvez le mettre dans le sac et tout. Il est trop, trop bien, vraiment. Meilleure découverte. Le trépied, il est trop trop bien. Il est grave extensible. Genre, il fait 1m80. Il est trop bien.
Genre vraiment, j'ai kiffé. C'est mon meilleur achat de 2023, je le dis. Non, je mens, c'est la tablette mon meilleur achat. Mais regardez comment elle est grande, c'est-à-dire que là tu peux prendre des photos, tu peux autant poser, tu peux poser ta caméra et ton téléphone en même temps sur le trépied. Genre, c'est trop bien. Donc là je m'entraînais à prendre des photos toute seule, franchement. Je fais pitié. C'est dur, mais t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, quand tu fais les solo trips, t'es obligé aussi d'apprendre à faire des photos toute seule. Et mes photos, franchement, mes premières photos là, allez sur Instagram, vous allez voir, j'ai dead ça en fait. Regardez-moi en train d'essayer de faire des photos toute seule. Hey, je fais grave pitié. Oh my god. Bon, les premières photos que j'ai faites, j'ai pas trop aimé. En même temps, le cadre et tout, ça, c'est sûr que ça n'est pas bien donné. Mais, je répète, allez sur Instagram, vous allez voir les photos que j'ai faites. Moi-même seule. Et en plus, regardez-moi, je tape la pose et tout. C'est trop ma voix. Oh mon dieu. On continue donc avec ma voix off. Oh, franchement, j'ai trop la rage. J'ai vraiment trop la rage. Mais bon, bref. Là, je vous ai expliqué qu'il fallait que je crée du contenu. Je vous ai aussi montré mon beau peignoir que j'ai reçu du coup de chez H. Marie R. Pour créer le contenu, je vais vous faire montrer la perruque que j'ai reçue de chez H. Marie R. Franchement, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Mais bon, reprenons notre sérieux. On continue la voix off. Du coup, j'ai reçu cette pépé. Elle est magnifique. Et là, je vous demandais en fait, Barbie, c'est qui? Barbie, qui est-ce Barbie? On la connaît pas en fait. Cette wig, elle est trop belle. C'est une wig du coup que j'ai reçue de chez H. Marie R. En blond comme ça, elle est arrivée comme ça. Désolée si vous entendez pas, c'est Nissa qui marche. Donc du coup, je disais que la wig, ouais, elle est arrivée comme ça. C'est une wig de 28 pouces, bien longue comme on aime, bien fournie. Elle est super belle. Trop belle. Là vraiment, je me kiffais en fait. Je me kiffais. Et ouais, non, franchement, cette wig, franchement, pépite. La qualité des mèches, elle est vraiment pas mal du tout. Donc là, je vous faisais montrer les produits que j'ai reçus dans la box. Donc le peignoir, l'élastic band, le bonnet. Ça pour découper vos perruques, c'est vraiment la base. Donc ensuite, j'ai commencé par couper ma pépé. Bon, là, on va passer, je pense, à un peu de musique. Hein, parce que moi, j'ai la flemme de faire la voix. Oh, déjà, le 30% de ce vlog, j'ai la flemme. Ça enlever mon elastic band, franchement, acheter un collant et couper, c'est la meilleure chose pour bien appliquer vos laces. Et regardez-moi cette lace, s'il vous plaît, en fait, comment c'est transparent en fait. Regardez-moi cette lace et j'ai dead mes boucles. Mon boucleur, il vient de chez Babili, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais mes boucles sont très sexy, très violents. Là, franchement, en plus, j'étais en live, donc j'interagissais avec mes gens dans les lives, mais vous allez même pas comprendre parce que Sony a décidé de se mettre au ralenti. Franchement, non, c'est une dinguerie. Mais bon, bref, là, du coup, je défaisais mes boucles avec un peigne à grosses dents. Qui est Barbie? C'est qui la meuf qui a créé Barbie? Megali, ce qui Rabio, je sais plus c'est quoi son prénom, mais qui est Barbie en fait? Donc là, j'ai fait ça pour. J'ai fait ça pour avoir plus de volume, faut faire ça. Et ouais, non, cette wig en fait pépite. Hein. J'hésite à la ramener à New York. Je vous le disais dans le vlog, mais j'hésite à la ramener à New York. Mais à New York, je voulais vraiment partir sur un truc jet black que vous allez voir du coup demain. Enfin, après-demain. Mais ouais, pépite cette wig, pépite. En tout cas, je vous mets tous les liens en bas d'information. J'essaie de vous avoir un code promo bien. Ma belle, je souffle mon audio là. Bref, on se retrouve demain. On est le lendemain. Franchement, je suis choquée comment j'ai tout filmé en
On ralentit, ne vous inquiétez pas. Là, c'est les derniers clips. Après, c'est fini. Du coup, là, je venais de recevoir ma perruque que j'avais commandée sur Amazon. Parce que oui, du coup, je ne vous ai pas dit. J'ai commandé une perruque sur Amazon. Amazon Prime, c'est arrivé le lendemain parce que je n'avais pas le choix. Sinon, j'allais jamais recevoir. Je n'allais jamais recevoir mes perruques, quoi. Tout simplement, j'arrive pas à parler, purée. Et donc, du coup, franchement, les Chinois, faut arrêter. J'ai commandé du 32 pouces. Dites-moi, vraiment, quand vous regardez la wig, dites-moi, est-ce que c'est du 32 pouces? Je l'ai payé 260 et quelques euros. Est-ce que ça, c'est du 32 pouces? S'il vous plaît. En plus, elle n'était même pas fournie. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé, vraiment. C'est même pas fourni. Quoi? Ça, c'est du 32 pouces, ça? Du coup, là, je vous disais, mais c'est pas du 32 pouces, en fait. Je ne dirais pas que c'est du 32 pouces. Je suis désolée. Même si c'est body wave, même si c'est un peu bouclé, quand tu lis, ça ne ressemble pas à du 32 pouces. I'm sorry. Ah ouais. Là, nous sommes quelques heures plus tard. Je vous expliquais qu'en fait, j'ai rajouté des bandes de tissage dans la perruque parce que la perruque, elle n'était pas full du tout. Et là, du coup, vous pouvez voir qu'elle est un peu plus full. Franchement, si je n'aurais pas rajouté, ça aurait été la catastrophe. Genre, je ne sais pas si quelle densité ils ont mis. En fait, ce n'est pas possible. Je suis donc partie m'acheter de la coloration Big N parce que je voulais vraiment avoir un jet black, vraiment un noir corbeau sur la perruque. Donc, parce que là, la perruque, en fait, elle est couleur naturelle. J'aime pas trop. Enfin, je voulais vraiment voir ce que le jet black ça donnait. Donc du coup, j'ai vraiment coloré ça de façon très, 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 très aléatoire. Mais ça a bien rendu. Vous allez voir à la fin, ça a bien rendu. Franchement, j'ai rajouté presque une demi-perruque, wesh. C'est quoi ça? Là, je vous expliquais qu'il est 23h45, qu'il est très tard. Et en fait, il faut savoir le contexte, c'est que je n'ai pas ma chambre. Donc là, j'ai dû faire rapide mes valises. Parce que sinon, en fait, j'aurais été trop dans le rush, quoi. On était déjà jeudi. Je ne pouvais pas attendre vendredi, puisque mon vol était samedi à très tôt le matin. Donc, voilà. Oula, je vous explique. Je suis en rush. Déjà hier, j'ai regardé les rushs de mes vidéos. Je suis tout au ralenti. J'ai envie de crier. Clairement, je sais pas pourquoi Sony a mis en marche ce truc là. Parce que Jesus, j'ai trop chaud. Mais j'ai vraiment envie de crier en fait. Faut que je lève un peu le volant là. Wesh. Je suis là, je regarde les rushs. C'est pas, je vois que madame a tout filmé la moitié de son vlog au ralenti. Du coup, je vais faire des voix off. Je sais même pas ce que ça va donner. Du coup, la programme. Là, je vais faire mes cils chez DN Luxury là-bas, ça change pas. Je vais d'abord parce que j'ai chaud. Faire mes cils chez DN Luxury. Ensuite, je vais aller poser ma wig. Du coup, qu'hier, je vous ai parlé. Vous avez dû voir la voix off. J'ai mis les clés. Du coup, là, je dois aller chez elle faire mes cils. T'as vu, elle a un peu d'essence. Je vais partir avec le retour, je remettrai. Et donc, du coup, voilà. Donc là, aller faire ses cils. Ensuite, poser faire ma pose de pépé. Ensuite, revenir à la maison, finir les petits derniers trucs, finir ma valise. Et après, on aura fini. Je dois faire ma skincare. Je suis folle. Je dois faire ma skincare. Bref, on y va. Je suis déjà assez en retard comme ça. Que je me garde, je suis trop fatiguée. I just wanna chill. Let's dip a
Regardez le résultat final. Par contre, faut que j'épile mes sourcils là. Oh my god, je vais faire ça ce soir. Bon, les gars, du coup, là, j'allais me faire coiffer. Mes cils, ils sont trop jolis. En vrai, les cils de la gloire. De la gloire. Je vais aller faire poser ma wig. Les gars, c'est pas, je vois, j'ai 1h20 de route. De base, j'avais que 50 minutes. Normalement, c'est 38 minutes sans bouchon. Mais là, avec les bouchons, c'est à 50 minutes. Et là, ils me disent 1h20. 1h20. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1h20. This is what happens when I think about you. I get in my feelings, yeah. I start reminiscing, yeah. Next time around, fuck, I want it to be different. Les trucs basiques, quoi. Les vrais, les tissages. Mm-hmm. Et les perruques, je me suis vraiment fait ces perruques en, ouais, en 2017. Ok. Bon, les gars, on est arrivé chez la coiffeuse. J'ai tellement, tellement eu chaud. Mais ça va, par la grâce de Dieu, on est bien arrivé. Enfin, je suis bien arrivé. Et là, du coup, on est en train de customiser la wig. Et puis, bah, ça la porte, quoi. Mais son salon, il est pas trop mignon, en fait. Son salon, son local, il est trop, trop mignon. J'aime trop, j'aime des choses à boire, à manger et tout. Non, c'est cool. Je suis rentrée finalement. Enfin, la route a été longue, mais ça a été. Du coup, je vous laisserai la fille qui m'a posé ma lait. Ça m'a trop trop bien posé ma lait. J'aime beaucoup. En barre d'information. Là, du coup, bah, je vais terminer le vlog là. Parce que là, du coup, demain, on commence l'American en fait. Clairement. On commence l'American. Du coup, là, il me reste juste à. Finir ma valise et prendre ma douche. Ah non, je dois m'épiler. Oh, ça, j'avais oublié ça. Je dois m'épiler. Et après, ce sera tout. Mais je suis tellement fatiguée. J'ai oublié que je devais m'épiler. Wesh. Bon, je vais pas montrer comment s'épile. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'est un vlog vraiment que j'ai l'habitude de faire tout le temps sur ma chaîne, quoi. Mais bon, ça me fait plaisir de le faire à chaque fois que je voyage. Même si c'est toujours pratiquement la même chose. But voilà. Du coup, nous, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.